Bonjour et bienvenue sur la Yata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu un peu particulier. Un jeu où je vais jouer solo, mais c'est un jeu où on s'éclate à plusieurs et oui, j'ai nommé Akuto Shodown. Voilà, c'est un jeu que j'ai découvert, excusez-moi je bafouille, c'est un jeu que j'ai découvert sur l'eShop, il est à 5,99€, il est à moins 25% actuellement. De jeu le base, il a 8 balles, du coup j'en ai profité et je me suis dit pourquoi pas. À la base je voulais le faire avec mes potes, mais voilà, bon bah avec les vacances et tout c'est un peu compliqué. Du coup, je me retrouve un peu tout seul à jouer, mais c'est pas grave, hein. Bah, on va quand même vous le montrer sur Gata TV. Donc du coup, classe d'âge 16 ans, ouais, c'est un peu trash. Y a rien de méchant, hein, mais voilà, il y a des armes, il y a des armes blancs, tout. C'est limite d'âge PEGI 16, manette avec les joysticks là, et la manette pro, et la taille, il fait 1 giga. Un peu un gros jeu quand même, hein, pour un jeu comme ça, mais bon, voilà. Donc dans le délire, action rapide dans l'arène, Akuto Shodown, est un jeu d'action rapide isométrique et nominé pour un prix, où les joueurs s'affrontent avec des épées, des armes et des matchs intenses. Donc ouais, c'est vrai, mais au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le game, je vous l'avoue, mais du coup ça l'a fait. Le jeu se déroule dans les arènes de Diorama en Low Poly et les joueurs doivent non seulement faire attention à leur adversaire mais aussi à l'environnement pour éviter de les tuer. Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'après ça va spoiler et puis du coup ça va tuer le jeu et moi je suis là pour vous le présenter. Donc au niveau des settings, le game color cube, blue cube, voilà, je vous laisserai contrôler. J'ai tout mis à fond pour être tranquille au niveau des contrôles. Voilà, si vous voulez garder ça en tête, ça vous donne un peu ce qu'il faut faire. Donc super basique, le bloc, le melee, le power up, le world, ok. Alors, je sais pas si je vais me souvenir de tout, hein, mais bon, c'est pas grave. On va faire une single session. Du coup, là, on part sur un petit let's play, hein, une dizaine de minutes, ça sert à rien de faire plus que ça. Voilà, comme ça, hein, c'est bien. Et on va faire continuer. On va faire, on va découvrir celui-là. Et puis après, on va découvrir celui-là. Et on va terminer par celui-là. Puis c'est très très bien comme ça. Hein. Moi, ça me va. Allez, c'est parti, let's play. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à Akuto Shodown. Ou si vous allez l'acheter pour jouer avec vos potes et tout ça. N'hésitez pas. Hein. Donc là, j'y joue total offline. Alors, sur la console, ça fait tout petit et c'est moche. Mais par contre, une fois qu'on est sur un grand écran, c'est mieux. Oh, le bâtard, il m'a tué. Bah, excusez-moi pour les gros mots. Là, j'ai le bloc. Bon, il va falloir que je trouve des armes. Donc moi, je suis le petit bonhomme bleu. Allez, hop, j'ai kill le vert. Hop, là, je vais récupérer l'épée. Ah, j'aimerais bien niquer le jaune. Ah là, le vert, il est fait. Hop. Allez. Hop. Donc il y a des trucs à récupérer. Là j'ai le bloc. Voilà, c'est chaud là. Voilà. Voilà, combat de paix. Et voilà. Par contre j'arrive pas encore à faire des blocs, mais ça va venir. Hein. Le tout c'est de s'entraîner. Alors une fois que t'es dans le game, ça va. Ouah putain, c'est chaud. Oh purée, il m'a niqué là. Alors une fois que t'es dans le game, ça va. Mais il faut vraiment s'y mettre. Hein, parce que oulala, comment c'est compliqué au début. Ouah super. Allez, ils sont où les machins là? Allez. Viardez. D'accord. Ah bah d'accord, il y a juste ça. Oh non, 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 oh non, oh non, c'est de l'anti-jeu là. Ouah, non, je vais mourir à chaque fois. Ouais, c'est pas juste. Non, non, tu vas pas m'avoir. Deuxième fois. Bah oui. Oh non, 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 mais c'est de l'anti-jeu là. Non, je suis pas d'accord. Bah tu m'étonnes qu'il est archi happy. Je me suis fait défoncer. Oh non. Bon, alors sinon niveau graphisme, on a vu, c'est en totale isométrie, c'est propre, ça se laisse jouer, c'est pas non plus the best of ever de game de l'année, hein, évidemment, on est en fin d'année, donc voilà. Mais ça se laisse jouer, c'est super sympathique, là ça fait des... Voilà, les petites parties sont speedy, et du coup ça fait plaisir à jouer, voilà, c'est le petit jeu détente, voilà, c'est pas le meilleur jeu non plus, mais voilà, ça fait plaisir. Non mais là, ils vont tous me kill là maintenant, voilà, je suis pas d'accord. Tiens, allez, prends ça toi. Oh là 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 là, non mais c'est quoi? Vas-y, reviens. Ah, moi je suis là-haut. Hein. Donc moi je suis toujours en bleu là. Oh, Yamakasi. Non, il veut pas faire Yamakasi. Ah, j'ai toujours pas d'armes moi, c'est un sketch. Oh là là, ouais, bah avec les armes face à une arme blanche, voilà. Moi j'ai une corde portée, mais. Puis bloqué. Hop. Non mais c'est pas vrai. Elle joue comme une bite là. Bah, de toute façon, je suis en game, hein, c'est normal. Tout à l'heure j'ai joué, j'ai super bien joué et là, j'aurais dû record mon épisode précédent. Tiens, allez, casse-toi là. Non. Donc ouais, ouais, c'est ça full somme total, hein, je vous le dis. Ouais, je crois que j'ai perdu là. Bah du coup, j'ai trop perdu de trucs. Ouais, il reste le vert, le rouge, ouais. Où je suis moi? Non, j'ai perdu. Je ne fais plus partie de la game. Je suis étalé là comme une grosse... Et puis voilà. Donc voilà, le cube... Comme on l'a vu dans les options, hein,
il ressemble à, enfin le sang ressemble à des cubes, voilà. Et du coup les parties, voilà, ça match direct, ça tac 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 tac, ça y va, ça envoie du lourd. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vais pas faire un let's play super long par rapport à ça. Moi je vous montre juste la dynamique du jeu, comment on joue et tout ça. Alors évidemment hein, mon gameplay c'est pas le meilleur, hein, je me fais ratatiner, voilà, point barre, bah je sais pas jouer, c'est pas de ma faute. Ah allez, mais laissez-moi un petit pouce bleu là pour m'apprendre à jouer. Et puis voilà quoi. Mais du coup ouais, il donne envie quoi. En plus avec des potes, ouais, tu fais ça en soirée, une petite soirée là pépère. Tu vois? Allez, tiens, casse-toi, toi. Eh ben, ça fait plaisir. Non, vas-y, il fallait que je fasse un bloc, là. Ouais, d'accord. J'arrive, à peine arrivé. Vas-y, j'ai dégartir de là, moi. Allez, maintenant, c'est moi qui joue. Donc là, je joue avec ZR. Ah! Donc là, petite musique de Far West. Je sais pas si vous avez entendu. Niveau bon de son, ça va, hein, c'est propre, hein, c'est pas... Pareil, ah ouh. Oh là 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 là, j'ai essayé d'aller chercher l'épée, mais j'y arrive pas. Et je vais me faire kill comme un... Eh, on va dire un gros cochon, là. Allez, c'est kill winner. Pouce bleu. Je vous ai gueulé dans les oreilles, excusez-moi. Et pour une fois, je gagne, hein. Satisfaction. Voilà, donc là, du coup, on fait le level 2, single player, et voilà. Et on continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout au long du jeu. Et du coup, le véritable intérêt, c'est de jouer avec ses potes et de s'affronter, et voilà. Donc voilà pour la présentation de Hakuto Shodown, un petit jeu qui est disponible sur l'eShop, hein, comme je vous l'ai dit, au prix de 5,99€. Il est vraiment pas cher, et c'est vraiment l'éclate. Des parties super fast, super rapides. Donc oui, je pourrais faire des grandes parties avec vous et rester pas mal de temps. Mais le principal, c'est de vous faire découvrir le jeu. Et voilà, vous, bah, vous, voilà, en quelques minutes, vous avez capté l'essentiel, l'essence du jeu. C'est-à-dire que voilà, il y a des kills à faire et du coup on est premier, après on choisit en fonction des niveaux et tout ça. C'est super pratique. En plus là, je joue contre l'ordinateur, donc bon, pour l'instant c'est assez relativement facile. Mais face à tes potes, s'ils sont espiègles, oh là 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 là, il y a de quoi se mettre des barres, je pense. Après, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté, vous jouez avec vos potes, dites-moi-le. Voilà. Après, pourquoi pas, on pourra essayer hein, de se retrouver sur ce jeu pour se faire quelques battles ensemble. Pourquoi pas vous face au Droid Tech, qu'est-ce qu'on en dit? On lance les paris. Voilà. Bon allez, je vous laisse tranquille parce que là il va falloir préparer les fêtes. Je vous dis à la prochaine, salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.